Cette plateforme a été créée au moment de la crise du Covid pour justement aider les artisans et les commerçants à passer au numérique pour pouvoir continuer leur vente pendant la crise. La plateforme numérique permet aux commerçants et aux artisans d'avoir une visibilité. Également, on a quelques actions, en particulier des présentations d'artisans et de leur savoir-faire, des présentations des nouveaux arrivants, de façon à ce qu'on les mette en avant, mais également la présentation des offres d'emploi proposées par les artisans et les commerçants pour que les habitants soient au courant des offres qui existent sur le territoire. Nous avons proposer aux artisans et commerçants de pouvoir avoir leur propre boutique Click and Collect. Le référent de la plateforme numérique faisait pratiquement tout ce qui était installation, création du site, de façon à ce qu'il reste à l'artisan ou au commerçant uniquement le travail de préparation d'un catalogue. On a quand même des difficultés avec certains artisans. Cette difficulté, en fait, est difficile à résoudre parce que, justement, ils n'ont pas des produits standards, ça évolue. Le bilan de cette action est tout d'abord chiffré. On est à presque 270 artisans et commerçants qui ont proposé d'être sur le site, sur environ 400-410 identifiés. L'intérêt, c'est celui pour les habitants qui consultent très très largement ce site et qui permet de produire local. L'autre intérêt, c'est qu'on a pu mettre en place un certain nombre d'animations, et en particulier des jeux, des offres, qui ont permis aux artisans de se mettre encore plus en valeur. C'est plutôt une réussite. On a encore du travail à faire, mais on est très très fiers de cette initiative.